On est parti ce matin très tôt de la ville de Basra, où hier j'intervenais dans une importante conférence sur le climat, puisque l'Irak est un des pays les plus touchés au monde. Les experts internationaux disent sans doute le cinquième pays le plus touché au monde par le changement climatique. Et maintenant, on va arriver dans ces fameux marais du sud de l'Irak, qui sont un écosystème très menacé par le changement climatique. Un endroit mythique, hein, c'est une zone classée au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Pas loin d'ici sont apparues parmi les premières villes au monde. C'est là qu'il semble que l'écriture ait été inventée. C'est là aussi que dans cette zone que se sont développées les premières pratiques agricoles. Ce système, les personnes qui y vivent, l'ensemble de l'écosystème est extrêmement menacé par le changement climatique. Et là, on va voir des projets que nous soutenons. On verra tout à l'heure, on va circuler dans les pirogues qui circulent sur ces canaux des marais qui visent à ce que des vétérinaires irakiens puissent embarquer sur ces bateaux et aller au-devant des éleveurs de buffles pour les aider à préserver leur cheptel pour ceux qui élèvent les buffles et les autres pour essayer d'améliorer les techniques de pêche ancestrales.